Ça a commencé comme ça. Ça aurait pu ne pas commencer. Il ramassa d'abord le portefeuille. Domicile, 8 rue des Écoles, Sceaux, Haute-Seine. Un visage sérieux. Un peu chagrin. Même triste. On peut dire triste. On pouvait. Un fond de tristesse. Mais ce n'était qu'une photo, donc... triste à ce moment-là. C'est pas possible, c'est pas la même femme. Pourtant, si, regarde, c'est bien le même nom, la même adresse. Sur cette photo-là, elle sourit. Un serre-tête, des lunettes sur le front, une plaisanterie sûrement. Donc elle aime plaisanter. Oui, bon, c'est une femme, triste le plus souvent, qui porte un drôle de nom, fait de l'avion pour se distraire. Qu'est-ce que je vais en faire? On voit le slip noir dessous. Quelle faute de goût! Tout est pardonnable. Non, pas tout, pas le mauvais goût. Soudain, il eut envie de la toucher. Puis, d'envie en envie, il eut bientôt le désir de l'étrangler. Voilà, lui faire son affaire à celle-là, maintenant. À l'autre aussi. Les buter toutes les deux. Les buter, oui. Leur faire passer le coup, le mauvais coup de me provoquer. Et là, halte là, non mais à quoi tu penses? Ça va pas, ça te reprend. Arrête ça tout de suite, arrête, je te dis, tu m'entends? Arrête de penser à ça, sinon tu n'y penses plus. Là. Voilà, tu es calme, mon vieux Georges, tu es calme. Tu sais ce que ça t'a déjà coûté, alors? Tu calmes, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Je peux me débrouiller seul, j'ai son nom, son adresse, donc son téléphone. Si elle a le téléphone, ben oui, elle l'a. Tout le monde a le téléphone. Non, pas les pauvres, ils sont nombreux. Mais elle n'est pas pauvre, l'aviation ça coûte cher. Encore faut-il qu'elle soit dans la lumière. J'espère que oui. Je pourrais alors l'appeler, lui dire... Lui dire... Voilà. Je m'appelle Georges Palais. Vous n'avez rien perdu? Si? Quoi? Un portefeuille? Et puis? Non, pas ça. Lui dire... Voilà. Je m'appelle Georges Palais, vous n'avez rien perdu? Si? Allô, je voudrais... Ou puis-je, ou pourrais-je... Ou serait-il possible... Non, plutôt. Pourrais-je parler à Marguerite Muir? Non, à Mademoiselle Muir, à Mademoiselle Marguerite Muir. Alors, lui dire... Voilà. Non, pas voilà. Je voudrais parler à Marguerite Muir. C'est elle-même? Ah bon? Ben bonjour, mademoiselle. Madame. C'est ce que je craignais. Comment? Rien, rien. Qui êtes-vous? Ben voilà, je m'appelle... Non, pas besoin de lui dire comment je m'appelle. Dire seulement... je vous appelle parce que... Parce que quoi? Qui est à l'appareil?
Georges allait téléphoner, il était revenu pour ça. De toute façon, il n'avait plus le droit de s'en aller. Il n'avait d'ailleurs plus aucun droit. Pas même celui de voter, mais ça ne le privait pas. Non, ce qu'il privait... rien ne le privait. Enfin, si, ce qu'il privait... Non, n'en parlons pas, n'y pensons même pas, si possible. Si au moins il avait pu ne plus y penser, il aurait aimé pouvoir. Toute sa vie, il aura attendu ça. Pouvoir enfin ne plus penser à rien. Et c'est ça qu'il attendait d'elle. Parce que penser à elle, c'eût été comme penser à rien. Nom de Dieu, c'est elle. Bah, tu rêves, mon vieux, ça ne peut en aucun cas être elle. Oh, mon pauvre ami, elle ne te connaît même pas. C'est bien simple, pour elle, t'existe pas. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Ça fait une heure que j'essaie de te joindre. Ça m'étonnerait, je commence à peine. Tu commences quoi? Je t'écoute. Tu commences quoi? Appeler. Appeler qui? Femme du portefeuille. Quelle femme? Quel portefeuille? Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'en sais rien encore. Et toi, tu m'as appelé pourquoi? Ça va pas. Tu te sens mal? Tu veux que je vienne? J'ai du travail, mais si vraiment tu te sens... Si vraiment ça va pas bien, je viens. Non, non, c'est pas la peine. Tu m'as appelé pourquoi? Dis-moi d'abord. Non, toi d'abord. Non, toi. Quelle femme, quel portefeuille? Je t'expliquerai. Non, non, explique-moi maintenant. T'as l'air bizarre. Moi, bizarre? Oui, oui. Allez, dis-moi ce qui se passe. Rien du tout, absolument rien. Il se trouve que tout à l'heure, en allant changer ma pile de montre, j'ai trouvé un portefeuille. Alors, j'essaye de joindre la fille, c'est normal, elle doit s'inquiéter. Ça me tracasse, tu comprends? Je voudrais la rassurer. Enfin, voilà, c'est tout. Mais ça fait pas une heure. Et toi, alors, tu m'appelais pourquoi? Pour la pelouse. Comment ça, pour la pelouse?